seul juste juge que nous devons trouver par Koukoui et béni notamment pour son intervention dans la grave crise que notre pays, la Côte d'Ivoire, a connue, de même que notre communauté, car, dit Saint Paul, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Vous voyez le nombre de spectres de toute crise. Chacun de nous doit contribuer à mettre fin au signe de la violence. Pour ce faire, apportez-vous ce que Jésus-Christ a dit. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Luc 6, verset 27. Inscrivons donc dans la dynamique de la paix et de la réconciliation que nous souhaitons tous et soyons des artisans de paix comme le recommandent les Saintes Écritures. Nous avons été tous, à divers niveaux, des acteurs actifs ou passifs. Nous avons été tous des victimes. Pardonnons-nous réciproquement. De même que Christ nous a pardonné, pardonnons-nous et réconcilions-nous. De souvenirs et de reconnaissance, disons ensemble, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénisse l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Telle est la louange que chacun de nous adresse à Dieu pour tout ce qu'il a fait et continue de faire, afin que règne l'unité, la réconciliation et la paix, tant au sein de notre Église que pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Honneur, puissance, gloire, louange, victoire soit à Dieu notre Père, éternité en éternité. Amen. C'est le temple de l'unité de tous les Aris. C'est pour cela que les Aris sont heureux de retrouver leur temple, beaucoup qui sont partis parce que, effectivement, il y a des moments où il y a eu des divisions. Mais aujourd'hui, la lumière de Dieu a éclairé tout le monde et on a vu qu'il y avait le mensonge et la vérité. La résurrection du Christ a fait que nous avons pu sauver notre Église. C'est vrai qu'il y a quelques frères qui sont encore hésitants. Mais ce culte que nous venons de célébrer, cette rentrée spirituelle, c'est vraiment le départ, le renouveau de notre Église. Et j'invite donc les autres frères qui sont encore retraités de nous rejoindre, que nous prions ensemble. Et cette grâce, le deuxième symbole, c'est notre pays, la Côte d'Ivoire. À tort ou à raison, certaines personnes assimilaient la crise que nous vivons en Côte d'Ivoire à la crise qui sévissait dans la communauté ariste. Et nous observons que, par la grâce de Dieu, Dieu qui est omniscient, omnipotent, c'est lui qui est le seul juge, comme je l'ai dit pendant le culte, il nous a donné une solution. La seule chose qu'il nous demande, c'est de nous faire confiance.
Et ce que je demande aux Ivoiriens, c'est de faire confiance à Dieu. Dieu nous a donné une solution. La seule chose que nous pouvons faire, personne n'est vainqueur, personne n'est vaincu. Notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Et nous devons être ensemble pour sauver cette Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que 10 ans, on voit... Moi, j'aime bien dire, c'est une interview, mais je prends un exemple. On n'a plus de route à Abidjan. Mais si on avait eu le pont en 99, on aurait eu le troisième pont. On est en train de chercher le troisième pont. Il faut que les Ivoiriens comprennent ce message. Comprennent ce message. On peut se tromper, on peut se... Il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est la Côte d'Ivoire. Il faut se mettre ensemble avec ce nouveau pouvoir pour aller de l'avant. C'est ce que je peux dire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci.